Salam alaikum mes gourmands, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est les concentrés sucrés. Recette numéro 3. Donc, pour la réaliser, je vais vous montrer deux sortes de le faire. Il y a un plus facile et l'autre. Enfin, tous les deux sont faciles aussi, mais il y en a un qui est un peu plus long que l'autre. Donc, on va commencer par le plus long. Enfin, la cuisson, elle est trop longue. On va venir mettre du lait. On va mesurer du lait, 500 ml de lait. De toute façon, vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos. On met 500 ml de lait. Lait écrémé ou demi-écrémé, ne prenez pas du lait entier. Donc là, c'est 502, bof, c'est 500, on va dire. Donc, on va venir mettre dans une casserole à feu épais. On va venir ajouter 200 g de sucre. Sucre semoule. On va mélanger, on va poser sur feu doux. On va venir mélanger de temps en temps, il ne faut pas que le lait crame. Hein. Faut mélanger de temps en temps chaque fois, jusqu'à ce que le sucre soit bien bien dissous. Et après, vous laissez faire, vous mélangez, jusqu'à ce que ça commence à s'épaissir. En fait, quand le lait concentré va se faire, ça va changer de couleur. Si ça change de couleur, vous éteignez le feu et vous continuez à mélanger toujours. Même si le feu il est éteint, vous continuez à mélanger. Donc là, c'est bon, on laisse sur le feu. On va passer à l'autre recette. L'autre recette, c'est aussi simple. C'est vous allez venir mettre dans un robot, dans un blender, vous allez venir mettre le sucre et la margarine. Vous allez battre les deux ensemble. Ensuite, vous allez venir ajouter de l'eau normale. Vous allez remixer. Donc là, on a mis l'eau, on remixe. Et on va venir ajouter après le lait en poudre. Regardez ce que ça donne. Ça a bien mélangé tous les deux. On va venir mettre le lait en poudre. Ben, le lait en poudre, vous le trouverez partout, dans tous les commerces, il y en a. Hein. Pas la marque Nido, mais vous trouverez quelque chose d'autre, Régilé ou je sais pas quoi. La marque Nido, moi, je l'ai acheté dans les épiceries asiatiques, indiennes aussi, africaines aussi. Donc, on a acheté le lait en poudre, on va remixer. Pas longtemps, vite fait, jusqu'à ce que ça soit bien mélangé. Tous les ingrédients soient bien mélangés. Donc celui-là, il est trop rapide. Donc là, c'est bon, le lait concentré est prêt. Là, je vais bien racler les côtés. Je vais remixer encore une fois. Donc voilà. Je racle un tout petit peu. Je vais remixer. Et après, c'est bon, c'est prêt. Le lait concentré, il est prêt. Donc celle-là, c'est la recette la plus simple, la plus rapide à faire. Donc voilà. Donc cette recette express se conserve au moins une semaine, hein, pas plus. Par contre, l'autre là sur le feu, vous pouvez le garder longtemps, plus de 4 mois. Donc voilà, le lait concentré sucré, il est prêt. Celui-là, il est bien bien concentré en fait. Hein. Donc ça, vous pouvez le garder une semaine au frais. C'est vrai, c'est express, mais ça ne dure pas longtemps. On ne peut pas le conserver longtemps par rapport à l'autre là. Donc celui-là, il est prêt. On va attendre la cuisson de l'autre. Donc il reste un tout petit peu dans le blender. Là, je vais venir faire des crêpes au lait concentré sucré. Regardez, bismillah, mashallah, c'est bien fait. Donc voilà, on va surveiller l'autre. Toujours sur le feu. On mélange à chaque fois. Il faut pas cesser de mélanger. La cuisson, elle est un tout petit peu trop longue. Faut compter environ 50 minutes à peu près, voire même 1 heure de temps. À feu vraiment très très doux. Donc voilà, on continue pendant que ça se fait la cuisson. On va passer à nos crêpes. Comme je vous ai dit, je vais faire des crêpes au lait concentré sucré. J'ai pris le reste de lait concentré qui restait dans le blender. Je vais rajouter de la farine, des œufs,
et du lait demi-écrémé. Je vais mixer le tout et voilà, le tour est joué. Je vais rajouter un tout petit peu de sucre vanillé. Regardez, là, le lait commence à diminuer un tout petit peu. Vous allez sentir par vous-même quand ça commence à s'épaissir. Vous mélangerez jusqu'à ce que le lait soit bien, bien, bien diminué. C'est ça le but en fait. Donc voilà, ça commence à changer de couleur, ça commence à s'épaissir, toujours à feu moyen. Faut mélanger, faut éviter que ça boue, que ça mousse. Mélangez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, si vous êtes habitué à faire le roro, vous pouvez faire ça. Il faut être patient pour faire le lait concentré là. Donc comme je vous ai dit, on va faire les crêpes avec le reste de lait concentré sucré qui est resté dans le blender. Donc là, une main fait les crêpes, l'autre il mélange. Alhamdulillah, on a deux mains, on s'en sert. Bismillah, mashallah. Donc voilà, on va faire des jolies crêpes pour les concentrés sucrés. J'ai mis du sucre vanillé. Je mélange toujours, regardez, ça commence à s'épaissir. Comme je vous ai dit, celui-là se conserve longtemps par rapport à l'autre. L'autre, le express, là, c'est qu'une semaine. Donc voilà, chaque fois que vous voyez que ça boum, remélangez, toujours à feu vraiment très doux. Parce que si vous mettez à feu fort, là, vous risquez de que ça soit cramé. Donc c'est pas le but. Regardez les crêpes qu'on a fait, Bismillah, une jolie couleur. On a notre lait concentré. Regardez, mashallah. Et voilà, nos crêpes au lait concentré sucré. Là, c'est bon, le lait est fait. J'éteins le feu. Je vais continuer de mélanger toujours jusqu'à ce que ce soit bien tiède. Et après, vous pouvez vous en servir. Il faut les mettre dans des petits bocaux. Vous allez laisser bien, bien refroidir. Après, vous allez les mettre au frigo. Voilà, voilou, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus. Voilà, salam alaikum. Regardez comme c'est comme le lait concentré là qu'on achète dans les commerces. La même chose. Voilà, walou, salam alaikum.